connais son numéro. Je connais son numéro. Oh, bah ça alors. Ça a été plus difficile. On lui passe un petit coup de fil. Oh, bah ça alors. Pourquoi faire? Parce qu'il va être très heureux d'apprendre que ses conneries sont en sécurité. Et ce sera sans doute un immense soulagement. Il pourrait même éprouver un tel soulagement qu'il nous offrira une récompense. Bon Dieu, je serais vraiment surpris qu'il le fasse pas. Oh, waouh. Très surpris. Un genre de taxe de bon samaritain, tu vois. Ce qui serait même pas une taxe, puisque c'est bénévole. Allô? Osborne? Osborne Cox? C'est une grognasse. Allô? Osborne Cox? Oui, à quel sujet? Je suis seulement un bon samaritain. Navré de vous importuner aussi tard dans la nuit, mais j'ai cru que vous vous faisiez peut-être du souci. Pour la sécurité de vos conneries. De quel document est-ce que vous parlez? Très bien. Le commandant en chef à Belgrade, qu'on appelait tous Slovaque le boucher, avait vraiment très peu de report avec ses hommes et ses... Ah! Ça y est, je suis piégé. Non, me regarde pas comme ça, tu peux pas comprendre. Ça remonte à mon enfance. Mes parents étaient malhonnêtes, mais pauvres. Mon père était un de ces cambrioleurs artisans, comme il y en avait encore. Tout ça a disparu avec les petits métiers. Je suis seulement un bon samaritain, un voyageur de fortune. Dites donc, tout ça c'est bien joli, mais avec ce qui se passe de jour, je ne suis pas très chaud pour sortir de nuit. Mais je suis parfaitement disposé à vous remettre les conneries ultra sensibles, disons... disons à l'heure qui vous conviendra. Je vais réfléchir. Oh, vous savez, le dérangement a été important pour nous, et en fait, on s'était dit que une récompense... Ah, alors nous y voilà. Ça veut dire quoi, une certaine somme d'argent? En tout cas, si tu cherchais à me briser le cœur, c'est fait! Adieu! Adieu! C'est déplacé de dire ça? C'est tragique. J'ai toujours eu la peur de manquer. L'angoisse du lendemain. Combien? Madame, j'arrive. Faut l'appeler. Je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon. Faut l'appeler, je vous dis. Non. Je vois que vous avez un répondeur, si vous voulez, je peux... Non, ça n'est pas la peine. Parce que j'en ai pour une minute. Non, non, vraiment. D'accord, mais moi je vais trouver son numéro de téléphone parce que ça commence à me stresser, votre truc-là. Eh oh!